Sash. Feeling something like Rick Moranis, blew up the kid, now he doing damage. You ought to know, like my name's Atlanta. Say on me, take a seat, young Christopher Hansen. I don't sweat all day, just a line of mansion. Break blunts like glass when you get the Banshee. R2, R2, L1, R2. Hey yo les gens, c'est Skrivok, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va tranquille, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo à propos du prochain Call of Duty Infinite Warfare. Donc c'est un nouveau leak qui vient tout juste de sortir. C'est une vidéo qui est sortie sur la chaîne officielle de Call of Duty, en plus en non répertorié. Donc voilà, c'est un leak qui est vraiment officiel, c'est pas une rumeur, un montage ou quoi, c'est vraiment quelque chose de vrai, c'est pas un fake. Donc c'est une vidéo que je mettrai juste dans la description. Voilà, je vais pas la mettre dans la vidéo tout simplement par peur de me faire strike ou quoi. Donc par précaution, je vais juste la mettre dans la description. Je vous invite à aller voir. Donc dans cette vidéo, on voit quelqu'un de chauve. On n'en sait pas plus sur lui pour l'instant. Tout ce qu'on sait, c'est que, enfin tout ce que je sais, à la fin de son message audio, il dit "We are your enemy". Donc ça voilà, faut pas avoir fait de grandes études en anglais pour comprendre ce que ça veut dire. Donc en gros, le gars c'est l'ennemi, mais l'ennemi de qui, ça on sait pas. Est-ce que ça va être le personnage principal de la campagne du prochain Call of Duty? Est-ce que ça va être les personnes qu'on va affronter dans la campagne du prochain Call of Duty? On n'en sait pas plus. Tout ce que je sais, c'est que sur ce même personnage, on peut voir qu'il a le logo qu'on pouvait apercevoir il y a quelque temps à la fin des games sur Nuketown. Vous vous rappelez la sorte de triangle bizarre? Et bah cette personne là a le logo sur son armure, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, je pense vraiment que c'est les ennemis qu'il y aura dans le prochain Call of Duty. D'ailleurs, cette personne-là, c'est la même personne qu'on peut apercevoir au niveau du point B de domination sur Nuketown. Vous savez, il y a une grande paroi vitrée. Et à cet endroit-là, depuis, je sais plus, c'est hier ou aujourd'hui, on peut apercevoir donc justement cet homme avec le logo à côté, donc sur la grande paroi vitrée. Donc pour l'instant, on n'en sait pas plus, j'espère en apprendre beaucoup plus par la suite. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un j'aime et un commentaire. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, peace. They gon' hate or love me, still know all I would do is grow. Know they hear my flow, saying I'm too radio. But my content's complex, best of both roads. Put me in a box, then your ass ain't done your research. Track record made, got you bowing till your knees hurt. I came from beneath dirt, just to bring the ether. We gon' be okay, till it's over, KFH. Now I'm cruising down the I-5.